Combien est-ce qu'il faut courir après et la Torah et le Chesed? Regardez, c'était un monsieur qui s'appelait le Rav Yosef Falach. Ce monsieur-là, il a décidé d'organiser un cours dans le nord de Tel Aviv. Maintenant, pour ceux qui connaissent le nord de Tel Aviv, c'est la majorité des gens, c'est des gens qui ne sont pas très religieux, pour pas dire le contraire de religieux. Maintenant, il a décidé de faire un cours là-bas, dans cet endroit-là. Bon, très bien. Maintenant, c'était un beau jour d'hiver. Et il a organisé, il a amené un rave qui vienne et tout ça. Et donc, il cherche des clients. Malheureusement, il n'y a personne qui est là pour écouter le cours du rave. Donc, le rave, il attend, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dans la rue et il va voir les passants. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez. Il y a un cours de Torah, est-ce que ça vous intéresse de venir? Il dit, vous parlez de quoi là? Il dit, il y a un cours de Torah, est-ce que ça vous intéresse? Il va dans une rue, deux rues, trois rues, quatre rues, il n'y a pas un seul personne, surtout avec une journée comme ça affreuse. Il n'y a pas une seule personne qui veut venir au cours de Torah. Il décide de faire, il dit, si dans la rue, il n'y a pas de gens, je vais aller taper aux portes. Il monte à la première porte, tac, 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 il tape, personne ne répond. Il tape encore, tac, 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 personne ne répond, il redescend, il cherche dans la rue, il ne trouve pas. Bon, il fait encore une tour dans une rue, il demande encore, et il remonte dans la même... Il remonte dans la même maison. Il tape à la porte, il remonte dans la même maison, il lui dit, le type, il tape, maintenant il insiste encore plus. Le type, il ouvre la porte. Maintenant, quand il ouvre la porte, le type, il fait 2 mètres de large, 2 mètres de haut, et les cheveux, 4 mètres de. Bon, Shimshon HaGibor, avec qui ça? Les cheveux d'Amoklès. Et donc, ce qui se passe, c'est que. Et il lui dit, bon, qui est-ce qui t'a. Alors, le monsieur qui lui répond, il dit, qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Il dit, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui m'a envoyé ici? Il lui dit, qui est-ce qui t'a envoyé ici? Il lui dit, il y a un cours en bas à la synagogue, est-ce que tu veux venir en cours en bas à la synagogue? Il lui dit, qui est-ce qui t'a envoyé ici? Il dit, il y a un cours en bas d'un rave à la synagogue, viens à la synagogue si ça te dérange pas de venir. Il dit, qui est-ce qui t'a envoyé ici? Il dit, il y a un cours, il le répète, il dit, bon, viens, rentre à la maison. Le rave, il rentre à la maison et il l'amène dans la chambre. Il la vend dans la chambre et qu'est-ce qu'il voit en plein milieu de la chambre? Une potence comme ça, une corde, avec une chaise en bas. Et il dit, regarde, ça fait 40 années que j'habite dans cette maison, c'est la maison de mes parents. Il n'y a jamais personne qui a tapé à la porte. Je sors jamais dehors. Tout je me fais livrer. Et j'ai dit, j'en ai marre, je finis ma vie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que je suis monté. J'avais la corde autour du cou. Et j'ai dit à Dieu, je dis, si Dieu t'a besoin encore de moi, fais-le-moi savoir. Si Dieu t'a encore de moi, fais-le-moi savoir. Sinon, alors, j'ai entendu des coups à la porte. J'entends des coups à la porte. Je sors et je vois personne. Donc, j'ai pas compris. Je suis retourné à la potence. Maintenant, cette fois-ci, quand je suis arrivé à la potence, j'ai bien tiré pour que ce soit bien serré, comme ça, je rate pas mon coup. Maintenant, je suis monté à la potence. J'ai fermé la potence, j'ai fermé bien le truc. Et là, tu tapes à la porte, tu t'arrêtes pas de taper à la porte. Donc là, j'étais obligé d'enlever le. Et je suis venu. C'est pour ça que je te posais la question, qui est-ce qui t'a envoyé? Elle dit, cet homme-là, aujourd'hui, il est refait. Il étudie la Torah, il a une famille, il a des enfants, il a marié. Pourquoi? Parce que Ohev Shalom Berodev Shalom, quelqu'un qui cherche la paix, qui court après la Torah, qui court après la paix pour faire de la paix dans le monde, ça c'est quelque chose d'extraordinaire.